Bonjour. Aujourd'hui, on va faire des boules de protéines. Tes ingrédients vont être du sirop d'érable, du beurre d'arachide ou du wild butter si tu as les allergies, du criot, de poudre de protéines. Et pour préférer petits ingrédients, je vais utiliser des noix de coco. Tu devrais avoir un et un demi de criot. Ça, c'est le demi. Après, tu as deux pelletées de poudre protéine. Un et deux tasses du beurre d'arachide ou du wild butter. Un quart de tasse de sirop d'érable ou de miel. Un tiers d'une tasse de ton petit ingrédient préféré. Comme j'ai dit, je vais utiliser des noix de coco. Après, tu devrais mélanger tous les ingrédients. Okay, stop it. Après que c'est tout mélangé, tu dois former les petites boules avec tes mains. Mais si c'est trop sec, tu vas ajouter juste un petit peu de l'eau. Et tu mélanges plus. Tu ne veux pas que les boules soient trop grandes ou trop petites. Après que tu as fait les boules, tu peux mettre dans le réfrigérateur pour les garder frais. Et ça, c'est comment tu fais les boules de protéines.